Hey, salut à tous, c'est Adam Sean, on se retrouve pour le premier épisode du Top Ladder VG, le retour des teams bien couillus, le retour du beau jeu, mesdames et messieurs, et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, nous jouons deux nouveaux Pokémon. Je vous avais dit que je voulais jouer le plus de nouveaux Pokémon, mais on va évidemment pas tous les jouer d'un coup. Le but, c'est de découvrir petit à petit, donc ça sera un petit peu le principe de la série Top Ladder, essayer de jouer tous les nouveaux Pokémon, montrer qu'ils ont un petit potentiel finalement. Aujourd'hui, on va pas forcément prendre beaucoup de risques, puisque nous jouons le Dragon Spectre de la 8ème génération. Vous l'avez vu dans l'intro, ce magnifique Dragapult. Et le deuxième nouveau Pokémon, c'est le Pinkerchin, qui permet de poser l'Electric Surge plutôt fort avec le Hulusha. Après, vous le savez, si vous avez regardé ma petite vidéo analyse 8G que j'ai sortie hier, je joue un peu du top tier. On va pas se mentir, le Léviator, le Brutalibré, le petit Dragapult, le Métamorph, le Sucili d'Escadrille. Et je sais très bien que vous êtes impatient de me voir sweep tout le monde à base de Dynamax ultra puissant. Alors, let's go. Et c'est parti pour le premier match du Top Ladder en 8G. Je suis un petit peu ému, hein, si ça vous dérange pas. Mais là, clairement, c'est l'émotion. On valide, bien sûr, sur notre suicide lead. On ne change pas une équipe qui n'a pas encore gagné. Le petit Darmanitan qui va arriver. Darmanitan, un Pokémon incroyable que je trouve extraordinaire. J'ai tellement hâte de le jouer en vidéo. Il va faire le U-turn qui me fait un milliard de dégâts. On sait qu'il a un Choice Band intégré. On va mettre nos petits pièges de rock. Il a un Quagsire. Il a un Dracovish. Dracovish, c'est pas beaucoup joué en stratégie, hein. Je l'ai même pratiquement jamais vu. Il va sur son Dracovish, du coup. Alors, Dracovish, Water Dragon, ça devrait faire un petit peu mal. Earthquake quand même. Ouh, le petit Scarf Dracovish, mesdames et messieurs, qui me dépasse et qui me tue à base d'attaque water. Après, ça veut dire quand même que là, mes petits potes, on a le Dragapult qui peut arriver dans le game. Et Dragapult, il n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas là pour rigoler. Il va sortir le petit clonage de Substitute. Il va aller sur son Quagsire. J'ai envie de voir les dégâts que je suis capable d'infliger à l'ami Quagsire, si ça vous dérange pas. Parce que c'est vrai que c'est un Pokémon qui est plutôt bien bulky. Et surtout qu'il y a Unaware. C'est un petit peu chiant, Unaware. On va pas se mentir. Alors, est-ce qu'on fait mal? On fait pas très très mal. Après, il est obligé de casser notre sub. Donc là, il va probablement se soigner. On va en profiter pour aller sur l'ami Pinkerchin qui peut se permettre finalement de mettre des Toxic Spike qui pourrait être assez utile finalement, hein, pour notre équipe, on va pas se mentir. Il va aller sur son Escadrille. Alors là, on a vraiment besoin d'empêcher le Rapid Spin, évidemment, c'est très très important. Donc on va aller sur Dragapult et il va essayer, bien sûr, mais on ne nous la fait pas, vous le savez, vous le savez. Donc on peut tenter dans le plus grand des calmes de sortir notre meilleur Dragon Dance. Dragon Dance qui va partir. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Il va tenter le Earthquake. On tank plutôt tranquillou bilou, on va pas se mentir. Alors que va faire notre adversaire? Il va décider de rester pour l'instant. Après, je pense que son meilleur play, ça serait quand même... Oh non, il va se... Oh non, il va rester sur son petit Minotaur. Énorme erreur, parce que maintenant, il ne peut plus spin. Et du coup, le reste de sa team est dans la sauce, mesdames et messieurs. En vrai, vous savez très bien ce qui va se passer. Vous savez très très bien ce qui va se passer actuellement. Je vais Dynamaxouille et je vais sortir le meilleur Dynamax Ghost qui va, je ne sais pas trop quoi faire, mais ça va faire probablement très très mal à Quagsire. Ou ça fait des petits dégâts. Voilà, ça fait des petits dégâts. La baisse de def, hein, vous savez comment ça marche. Et du coup, le Quagsire est maintenant dans une sauce absolument totale. On peut le dire, mesdames et messieurs, ça sent le sweep directement dans ce premier match. Par un Dynamax, ma foi, pas du tout broken, qui fait totalement plaisir à jouer dans ce metagame totalement sain. Et c'est aussi pour ça que je fais de la stratégie Pokémon. Pour jouer des matchs pas du tout décidés à l'avance, voilà, notre adversaire qui forfait un début de 8ème génération en vidéo, mesdames et messieurs, qui fait plaisir. Ah, écoutez, on commence à se rapprocher du top tierisme en face. On a du Métamorph, on a du Minotaur, on a du Rotom. Et bien, écoutez, on valide encore une fois sur le Minotaur. Est-ce qu'il va tenter la Speed Tide des Suicide Lead? Ça pourrait être marrant. Non, il va encore une fois aller sur son Darmanitan. On va mettre nos pièges de rock, j'ai envie de dire. Là, il n'y a pas vraiment de suspense. Ce qui est marrant, c'est que sa team est 6-0 par le séisme. Genre, il n'y a pas de switch-in à séisme en fait. C'est assez drôle. On pourrait faire séisme, mais j'ai envie de mettre mes petits pièges de rock. D'ailleurs, il a fait U-turn. Je suis curieux de savoir c'est quoi le Pokémon qu'il avait prévu d'envoyer si j'avais fait séisme. Je suis assez curieux, quoi. Je suis assez curieux. Peut-être qu'il a un focus Sage Gengar. Non, c'est Rotom Wash. Alors, peut-être qu'il n'est pas au courant que Brismoul existe. Après, on va le savoir, hein. Il va le savoir tout de suite. Non, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, clairement. Je pense qu'il n'a pas été prévenu. Mais c'est le miss, mesdames et messieurs. C'est le miss de Hydro Pump. Et là, ça va faire un kill. On fait un kill. On a mis nos pièges de rock. C'est le début de game rêvé. On est totalement parti sur des bases incroyables. Dans ce début de top ladder, il va sur son Darmanitan. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je pense qu'il est grand temps, mesdames et messieurs, de sacrifier notre escadrille qui a un match-up extraordinaire. Mais je pense que c'est mieux de voir un petit peu sur quoi il se bloque. Comme ça, on peut essayer potentiellement de sweep avec un Pokémon ici. On va aller sur le Pinkerchin. Pourquoi le Pinkerchin? Parce que eh bien, il peut mettre les picots. Il peut surtout mettre l'électrique terrain. Électrique terrain dans cette game qui est absolument insane. Ici, on va faire un petit memento. Comme ça, eh bien, on se suicide. Et surtout, là, on va pouvoir placer gratuitement la danse slam avec le Hulusha. Et vous savez très bien ce qui va se passer. Vous savez très très bien ce qui va se passer. La petite danse slam qui part. Oh, le Dynamax Darmanitan. Alors, mais attendez, mais le Dynamax Darmanitan, eh bien, il va pas me tuer. Il va pas me tuer. Non, mais combat, 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 combat.
Il a cru en fait. Non mais il a cru. Il a cru que le petit Oulusha, il a cru qu'il allait pouvoir me tuer. Sauf que pour lui là c'est terminé. C'est terminé en fait, parce qu'on va faire le Max Knuckle, on va Dynamax évidemment. Parce que je veux dire les gars, pour le tuer, on est un peu obligé de Dynamax. Et maintenant c'est fin de parcours. C'est fin de parcours parce que le Dynamax nous donne un boost. On est absolument intuable. Il y a peut-être la Hail qui peut essayer de nous niquer. Mais encore une fois, j'ai un petit doute. Il va aller sur 100 de la Ludon. On va faire encore une fois le Max Knuckle. Ah, il veut essayer de nous tuer à base de Hail, les gars, mais ça suffira pas. Hein. On va faire le Max Airstream. Ah non, mais il est tellement dans la PLS, notre adversaire. Ça fait plaisir de montrer à quel point le Dynamax est sain pour le méta. Parce que c'est vraiment ce que je voulais faire avec cette vidéo, c'est briser les préjugés sur le Dynamax. Il y a plein de gens qui disent que c'est broken, nanani, nanana. Alors là, c'est le problème de Ditto, c'est que c'est pas un Pokémon qui est là pour revenge kill le Oulusha. Après, il y a des gens qui sont pas au courant que Unburden existe, on leur en veut pas. Il faut faire un bac plus 9 en Pokémonologie à la base pour le savoir, donc je leur en veux pas. On ne va pas miss à Jump Kick parce qu'on est un grand homme et c'est terminé. C'est terminé, fin de parcours. Il aurait pu essayer de niquer nos moves avec Gengar, il a même pas essayé. Je pense qu'il est un petit peu dégoûté de la vie. Là, il est en train de se dire finalement, la 8G, c'est pas si extraordinaire que ça. Ah, en plus, il avait eu le Disable. Bah écoutez, deuxième match, deuxième atomisation, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je suis juste un homme heureux en fait. Alors là, on a un mec qui a un petit peu compris le délire du Dynamax. Il nous a ramené un Noisier, un Jellicent, le Métamorph, le Mandibuzz. Là, vraiment, il est préparé, clair et net. On valide évidemment sur notre petit Minotaur. Il va aller sur Dragapult. Est-ce que vraiment on a quelque chose à craindre? Je ne crois pas. On va mettre le petit piège du rock, le Fire Blast, qui ne va même pas one shot. Hein. C'est un petit peu triste. Et pourtant, il est joué Life Orb. C'est un petit peu bizarre. Il doit jouer mixte, je pense. Sinon, ça nous aurait one shot. On n'a pas vraiment une speedef extraordinaire. On va se laisser mourir et derrière, on va envoyer bien sûr le Ditto. Le Ditto qui peut se permettre de revenge kill très très bien Dragapult. En plus, on peut faire U-turn. Hein. Je veux dire, il va probablement switch. Il serait pas aussi con que ça. Il serait pas aussi con. Oh, il est resté. Oh, il est fort. Il est très très fort, mesdames et messieurs. Je pense que là, on va aller sur le Pinkershin pour activer notre électrique terrain. Que va-t-il faire avec son Dragapult? Il va faire Phantom Force. Ah, il a disparu. Un petit peu comme mon salaire YouTube après l'article 13. Finalement, il a totalement disparu. Bah écoutez, nous, on va en profiter. Parce que là, ce qu'on veut, nous, c'est juste aller sur notre Oulusha, taper notre meilleur Sword Dance et voir c'est quoi son objectif en fait. Comment va-t-il gérer notre petit Oulusha? Est-ce que vraiment il a une manière de nous battre? Je ne sais pas. Alors, c'est Mandibuzz, le Pokémon qu'il a décidé de choisir pour nous revenge kill. J'ai un petit doute, les gars. Je vais pas vous mentir. On va sortir le Dynamax. Il va switch sur son Jellicent. Alors, ça, écoutez, c'est un play que je ne détaillerai pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, il va essayer de niquer notre Dynamax. Il y a 3 tours, finalement, c'est l'objectif de notre adversaire. Bah, écoutez, on n'a pas vraiment d'autre choix que faire le Max Airstream. Est-ce que ça va tuer? Je ne pense pas. Ouais, ça va pas tuer. On va avoir le boost en speed. Il va faire le Will-O-Wisp. Bah, écoutez, c'est pas très grave. En vrai, on va quand même avoir, eh bien, une attaque relativement correcte. Donc, on va faire encore une fois le Max Airstream qui va kill le Jellicent. C'est plutôt rentable pour nous. Alors, le Ferroturn, ici, j'ai un tout petit peu peur qu'il fasse genre Protect. Donc, j'avais envie de Dance Slam et il n'a pas fait Protect. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Leech Seed. Je vais faire Taunt dans le doute. Voilà, il a fait Protect. On me la fait pas. On me la fait pas, les gars. On me la fait pas. Et derrière, on va avoir le High Jump Kick totalement gratos. Est-ce que ça va kill? Je suis pas sûr. Ah, Chopelberry Ferroturn. Finalement, il avait de quoi gérer le petit Oulusha. Il va miss ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais High Jump Kick parce que, eh bien, c'était un petit peu prévisible qu'il ne fasse pas Protect. Mais il m'a bien eu. En vrai, ici, on va aller sur le Dragapult et on va faire le Substitute parce que, bien sûr, c'est pour ça que je joue Substitute. Hein. C'est pour niquer les Ferroturn, les empêcher de faire des Leech Seed. Il a fait Protect. Je pense qu'il a voulu anticiper le Choice et malheureusement, ça n'a pas trop marché. Les Dragon Dance qui vont partir. Et là, je peux vous dire qu'un Métamorph, ça ne marche pas contre un Pokémon qui fait Substitute. Donc, ça sent le sweep. De Dragapult, on va sortir 1 milliard de Dragon Dance. Il essaye de casser notre sub tant bien que mal. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ça va suffire. Est-ce que vous pensez qu'il va genre hard switch sur le Ditto en mode au cas où ouais, écoutez, non mais les gars, le mec m'a pris pour un débutant. Il a cru que je ne connaissais pas la strat de hard sur Ditto, puis après casser le sub avec l'attaque qui tape 2 fois. Mais non, mais écoutez, je suis quand même un des meilleurs stratèges de l'histoire de l'humanité de Pokémon, si vous voulez. Donc il faut pas me la faire à moi. En tout cas, notre adversaire qui a forfeit, ça me fait un petit peu de la peine hein, de sweep tous nos adversaires avec un Pokémon en particulier. Est-ce qu'on doit vraiment s'en plaindre? Je ne suis pas sûr hein, quand même. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce premier épisode du Top Ladder. C'est cool, on a fait briller les 2 nouveaux Pokémon que nous avons joué dans cette première team. Si vous avez kiffé, les petits pouces bleus, les petits commentaires. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi me follow sur Twitter et sur Instagram. Et surtout, les gars, il y a un truc très important qu'il faut que je vous dise. Mais alors, vraiment très très important. Ciao.